Salut à tous et à toutes, c'est Shannon Hackmer et aujourd'hui on se retrouve avec cette petite musique douce sur The Awesome Adventure of Captain Spirit. Alors je sais pas encore si sur le titre je mettrai le nom français ou le nom anglais. Donc c'est-à-dire je crois que c'est l'aventure extraordinaire de Captain Spirit en français. Donc The Awesome Adventure of Captain Spirit que je vais couper en Captain Spirit sinon ça va être trop long à prononcer tout le temps durant la vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est un jeu qui a été offert, qui est offert. Pour n'importe qui, que vous soyez membre du Gold ou non, que vous soyez membre du PS Plus ou non, c'est un jeu gratuit fait par les créateurs de Life is Strange, qui est en fait un petit amuse-gueule avant Life is Strange 2, parce que je vous le dis clairement de suite, c'est que le jeu est extrêmement court. Mais bon, il est gratuit, donc on va pas se plaindre. Le jeu est vraiment court, même si on fait tout. Enfin voilà, moi qui aime bien chercher, etc. J'ai vraiment cherché les petits trucs et tout. Il y a plein de trucs cool et ça, je vais y revenir. Mais franchement, le jeu est assez court. Et ce qui bloque un peu, c'est la fin où c'est écrit « Captain Spirit reviendra dans Life is Strange. Précommandé dès maintenant. » Donc c'est en fait c'est une sorte de grosse pub, mais bien déguisée. Bon bref, ça c'est un peu ce qui fait mal aux fesses, mais c'est gentil d'avoir un truc offert qui se base dans le monde de Life is Strange, qui aura donc je pense une utilité dans Life is Strange 2, ou alors sinon vraiment la pub et la com sont mal faites. Mais enfin bref, donc moi qui est gros fan de Life is Strange, je n'ai pas encore joué à Before the Storm, je l'achèterai très fortement, c'est sûr, dès que je pourrai, dès que j'aurai la capacité de pouvoir l'acheter, je le prendrai. Mais j'ai absolument adoré Life is Strange et on retrouve cette petite touche, que ce soit au niveau du graphisme, au niveau de l'ambiance, etc., même des touches et tout, on les retrouve vraiment. Alors la différence avec Captain Spirit, c'est qu'on, donc, pour résumer un petit peu l'histoire, c'est qu'on contrôle un gamin. Qui, ce gamin, en fait, a une vie pas super. Je vais peut-être pas spoil, ou voilà, bon, je dirais peut-être pour ceux qui le regarderont pas, qui joueront à ce jeu ou pas, mais en fait, notre cher Chris a un père qui est alcoolique, il a perdu sa mère. Je vais pas dire les conséquences et tout, de toute façon, c'est vous qui les trouveront quand vous jouerez au jeu, je pense. Mais voilà. Notre cher Chris a donc perdu sa mère et depuis son père boit et voilà, il est battu également, ça on l'apprend un peu plus tard, vous le verrez peut-être dans la vidéo. Mais du coup il se fait un petit monde, un peu comme nous quand on est gosse et qu'on n'a pas envie de se noyer dans les problèmes des adultes. Et quand on est gamin on se fait une petite aventure etc. Donc il s'imagine être donc Captain Spirit. Et avoir plusieurs jouets, etc. Il se crée des monstres et tout. Il se crée des pièges et voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment un monde d'enfants, mais voilà, avec quand même des problèmes qui lui touchent, qui sont des problèmes très importants. Mais ce côté d'être Captain Spirit lui permet de s'évader et nous également de nous évader puisqu'il y a des trucs que voilà, ça fait plaisir à voir. Et il y a également une nouvelle capacité dans ce Captain Spirit, c'est que Chris a la possibilité sur certains objets, comme vous pouvez voir, des fois il y a des objets qui ont des petits trucs jaunes sur leur truc. Je sais pas trop comment expliquer ça. Donc là on va aller rejoindre notre papa parce que quand même il est en train de nous appeler. Mais il y a des petites éclairs jaunes qui apparaissent des fois sur certains noms des objets ou des jouets d'ailleurs. Et en fait, cela signifie qu'on peut utiliser les super pouvoirs de Captain Spirit. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit faire le jouet, enfin jouer normalement comme vous avez pu me voir dans la chambre que j'étais avec le robot scorpion et le petit jouet, soit je choisis de rien faire, soit je choisis d'utiliser le super pouvoir de Chris et donc de protéger le citoyen et donc il va le dégommer. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités avec les super pouvoirs. Donc c'est pas des vrais super pouvoirs, bien sûr c'est des super pouvoirs imaginés par un enfant. C'est-à-dire que par exemple, je vous dis une séquence, mais quand on met quelque chose au micro-ondes, quand on met nos nouilles au micro-ondes, vous pouvez utiliser les super pouvoirs. Et en fait, Chris va rester devant le micro-ondes et va faire style que en fait, ça va chauffer plus vite. Alors que non, ça ne change pas. Mais c'est dans la tête d'un petit garçon, donc il faut aimer cet univers-là. Un peu comme pour ceux qui ont vu les films, enfin le film Le Secret de Terabithia, ou que c'est un monde imaginé par des gosses. Et bah c'est un peu ça, c'est l'univers que nous on se crée quand on est gamin et qui manque un peu quand on est adulte. Et du coup il a ça encore dans la tête. Et là on commence à apprendre, donc c'est la première séquence avec le papa de Chris, où qu'on voit que bon bah dès le matin, puisqu'on imagine que c'est le matin vu que Chris se réveille et que voilà il y a le petit déj typique.
On voit qu'il est déjà à la bière et donc on peut comprendre déjà que l'ambiance est que le père est alcoolique. On voit très bien aux yeux, malgré que ce soit des dessins, et voilà, c'est du dessin, c'est pas des graphismes réalistes, on voit quand même les yeux du père qui sont voilà, bas, etc., un peu abandonnés. On peut voir aussi le bleu sur le bras de Chris, donc on se doute que, bon, quand il a bu, bon, bah, il a, comment dire, choisi de taper Chris, malheureusement. Un truc aussi que je tiens à dire, ça peut être une importance ou pas selon votre façon de jouer. Il n'y a pas de succès ou de trophée si vous êtes sur Play. Enfin, peut-être qu'il y en a, j'ai pas téléchargé la version sur Play, mais en tout cas sur Xbox, il n'y a pas de succès. En même temps, je comprends mieux quand on voit la durée de vie du jeu. Mais c'est sympa, c'est une petite mise en bouche. Le jeu a pas mal de trucs quand même à découvrir par rapport à l'histoire de Chris. Ou voilà, il y a plein. Vous pouvez en fait fouiller toute la maison. Comme zone de jeu, en fait, vous avez la maison et l'extérieur de la maison. C'est tout. Mais il y a pas mal de choses à chercher, il y a des trucs à faire. Par exemple, en fait, Chris a une liste de super choses à faire. En fait, dessus, il y a créé son costume de Captain Spirit. Il y a également, par exemple, je sais pas moi, le labyrinthe, résoudre la carte, s'entraîner avec des pouvoirs sur des canettes de bière, l'échafaud, je sais plus quoi. Donc ça, c'est plein de trucs comme ça. Mais c'est imaginé dans la tête d'un enfant. Alors si vous, bien sûr, vous n'avez pas l'esprit ouvert, etc., vous n'allez peut-être pas aimer. Comparé à Life is Strange, qui n'a pas de côté enfant, qui est vraiment très adulte, entre guillemets, parce que quand même, pour ceux qui n'auraient pas joué à Life is Strange, c'est quand même une histoire assez forte. Il y a des choses très dures et très adultes, et voilà, des choses qui ne peuvent pas être abordées dans la tête d'un enfant. Sauf que là, bah, en fait, Chris, enfin, le père de Chris, et même Chris, en fait, la famille, ont aussi des problèmes graves, aussi grave que Chloé, mais c'est vu par un enfant, c'est pas pareil, c'est pas vu par une ado un peu qui veut se rebeller, etc., machin. Là, c'est vu par un enfant, donc dans un monde d'enfants. On voit qu'en fait, il a cette bulle, entre guillemets, de monde imaginaire. Donc, même si le jeu dure pas longtemps, à vrai dire, si vous faites en ligne droite, le jeu va vous durer, je pense, moins de 2 heures. Moi, j'ai un peu tout cherché, etc., un peu batifolé par-ci, par-là, pour voir les éléments de gameplay, pour voir les clins d'œil, pour voir plein de choses qu'on pouvait faire, etc. Par exemple, on peut s'interviewer dans le miroir, etc. C'est assez sympa, mais c'est court et c'est un peu dommage. Alors après, je reste bien entendu posé que c'est un jeu gratuit, mais le jeu n'en reste pas moins assez sympa, même si vous allez être un peu déçu par la durée de vie, tout simplement. Vous allez être un peu bloqué. Ça vous donne en fait l'impression d'avoir un bout de jeu, mais qui vous manque quelque chose. Et je pense que c'est ça. C'est surtout un petit amuse-gueule avant Life is Strange 2, qui, je pense, sera le retour de Chris, puisque c'est annoncé à la fin, mais je ne sais pas du tout comment ça se passera. Alors peut-être que Chloé croisera son chemin, je n'en sais rien. On ne sait pas vraiment où c'est qu'ils habitent. C'est un peu écrit sur des trucs, mais voilà, c'est un peu vague. Et on connaît très peu de choses sur ces entourages. Il y a par exemple des entourages en commun avec Chloé ou quoi que ce soit. On ne sait pas vraiment. J'ai pas parlé aussi, mais il y a les choix des actions. Même si je pense qu'elle n'a pas trop un gros effet actuellement. Peut-être qu'elle en aura un sur Life is Strange 2. Mais actuellement, il n'y a pas vraiment de gros effets, puisqu'on arrive plus ou moins au même terme, puisqu'il n'y a pas vraiment de trame. C'est juste se balader, faire les aventures, enfin faire ce que Captain Spirit a à faire, et une fois que c'est fait, on re-rentre dans la maison, et puis voilà, c'est la fin du jeu, etc. On voit ce qui se passe, je ne dirai pas, mais voilà. Donc c'est un peu court, mais pour faire bref, c'est sympa pour un petit aperçu de Life is Strange 2, ça reste gratuit, donc c'est plutôt cool, c'est rare les éditeurs qui font des jeux gratuits, surtout quand c'est un petit truc comme ça, mais c'est un peu dommage que ça s'arrête brusquement. Après l'univers, moi j'ai bien aimé l'univers de l'enfant qui s'imagine un monde, etc., avec des problèmes quand même à côté, très important, je trouve ça plutôt cool et c'est vraiment assez sympa et je vous invite vraiment à télécharger le jeu qui est gratuit, je le rappelle, sur toutes les plateformes, il est vraiment gratuit, donc je vous invite vraiment à le faire, il n'y a même pas d'achat in-game ou quoi que ce soit, c'est vraiment gratuit, hein. Vous le téléchargez et hop c'est fait. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, on se retrouvera donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed et sinon dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu différent. En attendant, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare et à la prochaine vidéo.